Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek. Alors c'est pas votre premier parce que j'en ai fait un hier, mais c'est votre premier pour moi de la journée. Et aujourd'hui, alors déjà on va remercier les 52 tipeurs, les instigateurs du JT Geek qui nous soutiennent. Vous êtes nombreux à m'encourager dans ce projet là, donc ça fait vachement plaisir. Vous êtes nombreux à me soutenir, vous êtes nombreux à nous rejoindre tous les jours. Que du bien. Voilà, on va parler aujourd'hui. Alors Lenovo a annoncé directement, on va dire, hier, son Lenovo Smart Display. Eh ben, c'est quoi, tu vas me dire? Eh ben, on va regarder ça tout de suite, tu vas voir. Je te mets un peu de musique ou pas? Pas trop, hein, parce que faudrait pas que... Voilà. Donc, c'est un Google Assistant. Si, comme moi, vous avez un Google Home, c'est un Google Assistant qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc, voilà, j'ai pas de connexion Internet, c'est la merde. Est-ce qu'on va y arriver? Non, peut-être pas. Est-ce que si je coupe le VPN? Oui, parce que je suis obligé de mettre un VPN pour regarder le foot en France. Je comprends bien comme je vais à l'étranger. Bon, c'est un Google Assistant. En fait, si vous avez comme moi un Google Home qui fait... Ok, ouais, qui fait hey, Google, hey, Google, ferme, voilà, qui sert un petit peu à rien. Et bon, après, c'est rigolo au début, mais une fois que tu leur as demandé. Alors, le OK Google est intéressant. Oui, parce que je dis pas, sinon, si je dis le mot et que t'en as un chez toi, ça va être le bordel. Donc, le OK Google, c'est bien, en fait, bon, bah. Si tu veux savoir la météo, mais ça on s'en fout, j'ai un moment le savoir. Moi je m'en sers pour les taux de change, quand je fais les prix machin, je dis hey, combien ça fait 400$ en euros, hop, il me dit machin. Donc c'est pas mal. Là, le gros intérêt, ça peut contrôler les lumières aussi, les Xiaomi, machin, tout comme ça. Ça c'est pas mal, on a déjà vu ça dans une vidéo. Là l'intérêt, c'est qu'ils ont ajouté un écran en plus. C'est une espèce de tablette avec un Google sur le côté, avec un haut-parleur. Et ça permet, quand tu fais une recherche Google, en disant, bon bref, comment on fait un gâteau comment on fait un gâteau à Casimir? Comment on fait un boogie booga de Casimir? Bon, et du coup, ça te met une vidéo dessus et ça permet de contrôler par la voix, non pas juste une interaction comme ça, mais de contrôler aussi de la vidéo en disant, tiens, mets-moi la vidéo, mets-moi les clips de M&M, par exemple. M&M's, oui, bah oui, avec les petits... les clips de M&M's, hop, le rappeur américain. Donc du coup, bon, bah ça met le truc et ça permet d'avoir la vidéo en plus. Bon, pour la météo, ça permet de dire, quelle couleur vont être les nuages aujourd'hui? Ah bah, les nuages aujourd'hui, ça va être un peu la couleur de... Voilà. Donc bon, après, c'est intéressant, c'est un peu intéressant. C'est vraiment une évolution parce que bon, le coquet Google, je pense, c'est un peu comme Siri quand t'auras discuté avec lui pendant 5 minutes. Bon, t'auras bien rigolé, raconte-moi une blague. Enfin, elles sont nulles tes blagues. De la météo, qui est... Ah, elle s'est mise en route, tu vois, comme quoi elle en voulait. Je l'ai dit, j'ai dit le mot interdit. Il faudrait, quand je fasse ça, que j'éteigne le micro. Ça serait pas mal. Bon, l'intérêt, il vous explique qu'il est bien, il y a un écran, il y a l'air d'avoir deux petits haut-parleurs sympathiques. Bon, l'intérêt, c'est que c'est un peu les nouveaux, donc du coup, ils vont pas nous faire trop un produit de merde, mais un produit qui est apparemment calibre, adaptable dual position, donc tu vas pouvoir après le mettre soit à l'horizontale, soit à la verticale. oui, lui aussi. Voilà. Donc, il est assez ergonomique, tu vas pouvoir mettre l'un devant l'autre et tout pour faire une tente. Par exemple, et voilà, donc il y aura l'assistance, un écran de 8 pouces, avec un design en bambou de 10 pouces, bon, pourquoi pas, je suis assez fan, hein. Personnellement, je suis assez fan, est-ce que je l'achèterais, est-ce que j'aimerais bien me le faire offrir, oui, forcément, pour faire une vidéo, comme toujours, sur le JT du Geek, sur GLG Vidéo, on parle des news un peu high-tech qui sortent des produits, machin, regarde un peu les vidéos, si après les fabricants veulent nous les envoyer, et qu'on arrive à les avoir, par exemple, l'un ou l'autre, on les reçoit, et dans ce cas, on fait une vidéo sur mon autre chaîne qui s'appelle GLG Review. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Lenovo Smart Display. Est-ce que pour vous, c'est vraiment une évolution un petit peu naturelle du Google Home? Mais ça n'a toujours aucun intérêt. Parce que le Google Assistant, bon, bah, une fois que tu l'as, voilà, bon, téléphone, machin, bon, bah, c'est bien. Ça fait de la musique. Ah, oh, machin, ok, Google, écoute-moi, mets-moi Chérie FM, tiens, par exemple. Hop, et puis, du coup, il se met en route quand je dis ok, Google, hein. Il faut arrêter, hein. Il a compris que je parlais de lui. Voilà, écoute-moi la radio, mets-moi de la musique, musique motivation et tout machin. Donc, c'est sympa. Après, là, le fait d'apporter un écran, je pense que c'est vraiment un petit plus. Il faudra voir à combien ils vont le sortir. Alors, moi, j'ai juste vu la vidéo, j'ai regardé sur le site de Lenovo, j'ai rien trouvé. S'il y en a qui ont un tarif comme ça ou un lien, machin, qu'ils n'hésitent pas à le mettre en description, ça passe. Alors, quand vous mettez un lien, ça passe automatiquement en spam, mais de temps en temps, je vais voir les spams et je vous les valide. Voilà. Vous pouvez aller continuer, share, commentaire, pouce en l'air, share en partageant sur les sociaux, commentaire en mettant un commentaire, pouce en l'air comme ça. Si tu veux rien louper des accros quotidiennes et surtout nos lives tous les jours à partir de 16h, hop, tu cliques machin sur ma gueule et t'oublies pas de t'abonner. Vous êtes nombreux à vous abonner, ça fait depuis 2 jours qu'on perd plus d'abonnés, on en gagne.
Donc c'est bien qu'apparemment ça vous plaît. Tu t'abonnes, tu cliques bien sur la cloche de notification, tu mets un commentaire si t'as des suggestions, des idées, des remarques. On m'a envoyé un produit là qui vient de sortir et que j'avais pas vu. Tiens, il y a ce produit là qui vient de sortir, ça serait bien que tu fasses une news. Hop. Et ben du coup, ça permet de m'aider un peu dans mon travail. Des fois, il y a des news auxquelles je passe à travers et qui peuvent être intéressants pour vous. Voilà. Paix et prospérité. Allez, moi je donne rendez-vous certainement tout à l'heure, hein, vu la masse critique de trucs qu'il peut y avoir aujourd'hui sympa. Paix et prospérité. Bonne journée. Bye bye.